Une première expérience en Algérie, une société implantée dans la wilaya de Mascara transforme des grains de caroubier en poudre pour la consommation locale, mais aussi pour l'exportation dans plusieurs pays dans le monde. Souhila Djoubar. Dans cette usine, on s'attelle à transformer les graines du caroubier en poudre, puis à les exporter. Cette matière première passe par plusieurs étapes avant d'être broyée en poudre de caroube destinée à l'alimentation humaine pour servir notamment à fabriquer du chocolat. Cette poudre est également utilisée dans la fabrication des médicaments et de la nourriture pour animaux. Cette société, qui en est à sa première expérience nationale, détient la deuxième position du podium à l'échelle mondiale. Sa production est exportée vers 20 pays à travers le monde. C'est une société qui réalise 100% de son chiffre d'affaires à l'exportation, et ce depuis 1994. Aujourd'hui, notre société exporte à l'échelle mondiale. On est en Australie, en Asie, en Europe, en Amérique latine. L'utilisation de ce produit local représente 70% de l'ensemble de la matière première. Le reste est importé. Pour pallier à ce manque, la société ambitionne cette année de participer à la plantation de 200 hectares de caroubier pour s'autosuffire. On est là pour mettre nos moyens pour développer la plantation du caroubier. Aujourd'hui, notre société est certifiée ISO 9001, ISO 22000. Nous avons la certification bio, Sharaf Lina ou Sharaf Lbled Ta'ana, Inch'Allah. Une véritable aubaine pour le développement local, cette société participe également à résorber le taux de chômage dans la wilaya avec la création de 60 postes d'emploi permanents. Elle ouvre également l'opportunité à d'autres postes saisonniers pour la récolte du caroubier.